Bonjour tout le monde, c'est Tige, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre réserve. La dernière fois, on en avait fait pas mal. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux îlots. Et on va essayer de faire toute la végétation de l'enclos. Il restera normalement la fin plus que les lianes à mettre et la partie visiteur ici. La petite construction que je vais faire. Et puis je crois que c'est tout. Alors du coup, tant que j'y pense, faut qu'on regarde une chose, messieurs dames. Nous sommes en Europe, en Asie et en Océanie. Nous avons fait la loutre cendrée qui est dans le petit machin avec les naziques et les tapirs. Petite question. Est-ce que vous voulez que je rajoute en plus le peinturon? Ah, je le dis bien cette fois, peinturon. Et ou l'orang-outan en plus. Ça ferait une sacrée ménagerie dedans, mais ça peut être sympa. A vous de me dire si vous voulez que je rajoute les deux, même si c'est pas sur le thème, même si c'est pas aquatique, quoi. L'espace est vraiment très très aquatique, donc ça devrait faire l'affaire, je pense. Et puis il y a plein de zones terrestres, on va mettre des lianes de partout, donc ils ont de quoi grimper. Donc à vous de me dire si vous voulez qu'on rajoute le bâturon et l'orang-outan. Et puis ben voilà. Moi je vais faire Mumus avant qu'il fasse trop chaud parce que là j'en peux plus. Vous savez que là je suis en train d'enregistrer, il est, attendez, 6h15. 6h15, j'enregistre à la fraîche pour éviter les chaleurs. Il fait trop chaud, il fait trop chaud ici. Bah, en tout cas, moi je vais vous laisser. Et puis, bah, bon visionnage et puis à tout à l'heure. Thank you.
tout le monde. Alors, donc on a fini côté terrestre de la végétation. Et je suis très content parce que tout à l'heure j'ai vu, je sais plus où, sur une île, du poisson. J'ai vu que les soigneurs amenaient du poisson sur l'île, donc j'étais assez content. Donc du coup, on se retrouve. Oula, un petit freeze là. Du coup, oula. Faut que les textures se mettent en place, hein. J'ai pas mis play depuis tout à l'heure. C'est pour ça. Voilà. Du coup, voilà, on se retrouve. On en a fini là. On a fait donc toute cette partie-là. On a fait toutes les îles pour que ça soit assez sauvage. On va dire ça comme ça. Moi, je les aime. J'aime mes petites îles. J'aime mes petits trochers partout là. J'aime mes petits nazis qui sont en train de nager comme des loutres. Oui. Là, il y a à manger. Ok. En fait, je trouve vraiment cette zone très très jolie. Très dense. Et là, on commence à avoir moins d'arbres. Tout simplement parce qu'on va passer comment ça s'appelle? Aux ornithorynques. Du coup, il n'est pas fini. Cet enclos n'est absolument pas fini. Car maintenant, on va falloir mettre des lianes de partout. Et ça, c'est galère comme pas possible. Je vais essayer d'en mettre de partout comme je peux pour que ça soit joli, tout propre. En essayant de faire des lianes à gauche, à droite, qui traversent les petites rivières et tout. Ça va être galère, mais ça va être au prochain épisode parce que autrement, ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Une fois les lianes finies, ainsi que les petits trucs là, je sais pas comment on appelle ça, on va s'attaquer tout simplement à la fin de cet endroit-là. On va finir la prairie là, pour être sûr et certain que tout ça soit ça fait. On va ici, et puis arranger là, on va faire une zone de sécurité, je pense, ici, au cas où. Je verrai, et de la végétation, etc. ici. Pour vraiment que tout ça soit terminé, quoi. La route, ce sera, voilà. Donc, on fera ça. Les lianes, plus ça. Ensuite, après, ce qu'on fera, c'est que on va décorer tout le reste. Donc ici, ce sera de la végétation. Il n'y a que cet endroit-là que je vais garder vierge pour le moment. Parce que je vais faire un petit truc ici. Mais tout ça, on va le décorer. Là aussi, on va mettre des arbres et tout. Jusqu'à là. Ensuite, on va faire les ponts. Alors, je vais faire des ponts, je pense, en cordes cette fois. Des ponts en cordes. Je pense que ça peut faire joli. Et puis ensuite, on terraformera ici pour faire l'enclos. Ça va nous faire beaucoup. Ah, puis non, on va pas faire l'enclos, on va faire ça. J'avais oublié. Il faut qu'on construise ici. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire, comme vous voyez, dans cette partie-là. C'est énorme, ça demande un travail monstrueux. Mais le résultat en vaut largement la chandelle. C'est vraiment quelque chose de très très beau. J'adore ce qu'on est en train de faire. Et une grosse partie, c'est grâce à vous. Dites-vous que vous êtes, on va dire, des actionnaires majoritaires dessus. Car sans vous, j'aurais pas eu des tonnes d'idées à mettre à gauche et à droite. En tout cas, nous, on va se laisser là. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.